Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on se retrouve pour la mise en route de cette bétonnière Betomix BX134 qui a une capacité de 110 litres mais qui s'appelle 134. Et on va se contenter pour aujourd'hui de la mettre en route, s'assurer qu'elle fonctionne et on va la ranger jusqu'au printemps parce que là il fait super froid. Et quand les températures remonteront un peu, on vérifiera son fonctionnement. Il y a une notice. Et massacré, c'est dommage de mettre une pochette avec. On a la poignée avec un déverrouillage au pied pour la faire pivoter, donc ça c'est pas mal. De la mousse, ça j'imagine que c'est pour l'emballage, et le moteur en dessous duquel il y a une prise qui nécessite une rallonge. Il faut une rallonge et il y a les boutons de démarrage et d'arrêt. Je vais donc aller chercher une rallonge. Je vous mets à l'intérieur pour l'instant. Elle est maintenant branchée. Et le bouton power. On se perçoit, on voit que c'est pas de la très grande qualité d'usinage. On voit les vagues dans le système de pignon. Mais le cœur y est, ce qui est l'essentiel. Ça malaxe. Je mettrai de la graisse quand même pour adoucir un peu ça. Même si c'est du plastique, ça peut pas nuire. Je prendrai une graisse spéciale plastique, ça doit se trouver assez facilement. Voilà le bestiau. Et pour l'arrêter, il y a le bouton à côté qui est pas plus visible. Voilà la bête. On peut voir qu'il y a un peu de jeu là. Ouais, c'est pas de la grande qualité. Mais c'est pas grave, si ça s'abîme trop, c'est pas très compliqué d'améliorer la qualité du roulement au fond ou de la fixation. Conclusion, après une tonne et demie de mortier mélangé dans la bétonnière par l'eau de 25 à 50 kg maximum à la fois, elle est pas mal,
elle résonne quand on parle devant. Elle a des défauts. Il a fallu que je change les roulements après à peu près 900 kg, une tonne de mortier. Je ferai une vidéo séparée là-dessus. C'est 20 balles de roulement livrées. C'est pas dramatique. Je m'attendais pas à acheter la bétonnière de la meilleure qualité. Je trouve ça un peu léger sur les roulements parce qu'elle est bonne pour 110 litres. Donc même si on ne met que de l'eau dedans, ça fait 110 kg. Elle n'aurait pas vécu longtemps. Et le problème des roulements, c'est que quand vous le verrez dans la vidéo spécifique, c'est que ça fait du jeu là, enfin du jeu axial, ce qui fait que là, ça n'accroche plus par moment sur l'engrenage. Une autre solution simple pour résoudre ce problème serait de mettre un roulement là, un petit axe et un engrenage là pour la forcer à rester de niveau, mais ça rajouterait de la résistance. Je ne sais pas comment le moteur le vivrait. À part ça, pour 200 balles, c'est une bétonnière. Elle fait son job de bétonnière. Elle bétonne, du mortier dans mon cas, mais peu importe. Vous pouvez voir que la peinture a disparu au fond par endroit avec le frottement, mais ça, c'est pas étonnant. Ces machins-là, pour mélanger, sont pas géniaux. Vous pouvez voir que ça s'agglutine au niveau de la vis. Bon, ce serait pas très compliqué de faire un cage pour pas que ça s'agglutine autant. Il faut une certaine quantité pour qu'il mélange, en fait. Si vous n'avez pas assez de volume, si je fais que 25 kg, ça mélange très peu, puisque quand à l'horizontale, le mélange passe en dessous. Donc il faudrait les plier plus idéalement pour que ce soit vraiment bien. Mais c'est pas dramatique, encore une fois, c'est une bétonnière low cost, c'est pas une bétonnière professionnelle. Et puis avec un peu de patience, ça se mélange et ça marche très bien. Pour mon usage, donc j'ai fait 1,5 tonne de mortier. Ça prend une petite demi-heure à chaque fois de mélanger le mortier. Et j'en ai mis sur les murs. Je l'ai déplacé. Les roues sont pas terribles sur terrain pas parfaitement lisse, mais vous ne les déplacez pas tout le temps. Et ça se rince plutôt bien. Donc je peux vous la recommander pour 200 balles en sachant que si vous faites plus de 500 kg de quelque chose globalement, il faut prévoir que les roulements vont fatiguer et qu'il faudra les changer. C'est pas très compliqué. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.